Bonjour, je suis Frédéric, je représente l'école de commerce CER Saint-Malo. Nous sommes en partenariat avec le lycée Vérima depuis bientôt 5 ans et nous faisons le code, la formation conduite accompagnée pour les secondes, donc le code et la conduite dans l'établissement pendant l'année scolaire. Et justement, Nicolas va pouvoir nous parler du code que l'on fait au lycée. Donc bonjour, je m'appelle Nicolas. Donc je fais le code de lundi de 16h30 à 18h. Donc tous les lundis, on fait une thématique du livre de code. Voilà. Et donc tu as les cours du lundi, tous les lundis pendant 3 mois. Alors, du coup, tu as eu ton code. Oui. Maintenant, on passe à la conduite. Parfait. Donc, Nicolas, on part en leçon ? Ben, ok. On est parti. Alors bonjour, je me présente, je suis Alexandre, donc moniteur bateau école. Donc là on est en train de faire donc des cours de cartographie, j'explique voilà, aux élèves comment tracer des routes. D'accord, qui provoque une dérive de 3 degrés. Trouver des coordonnées. Voilà, on est d'accord, 6000, on prend tout pour une heure. Et ça vous fera votre vraie route que vous devez utiliser en fait pour naviguer. Mesurer des courants, des vents. Parallèlement à ça, donc, je propose également donc, des permis bateau pour les élèves donc, des RIMA, avec des tarifs privilégiés en fait. Il y a deux astuces pour bien réussir un accostage. La première évidemment, c'est d'arriver le plus lentement possible. La deuxième, c'est de prendre un point de chute. Donc n'hésitez pas à me retrouver au bateau école. Le BIA est un brevet d'initiation à l'aéronautique. C'est un examen français sous forme de QCM qui valide un certain nombre de connaissances dans 5 domaines précis. La météorologie, l'aérodynamique, l'étude des aéronefs, la navigation et la réglementation et l'histoire de l'aéronautique et du spatial. Une option optionnelle qui est l'anglais. Il y a l'altimètre, l'horizon artificiel, la vitesse, le régime moteur. Ça, c'est la boussole. Le BIA vous permet notamment l'accès à de nombreuses formations après le bac, telles que le NAC, qui recrute via une filière précise les élèves issus du BIA. Dans tous les cas, cela vous conférera une grande culture générale dans les domaines scientifiques de l'aéronautique et vous permettra de montrer tout votre savoir et votre compétence aux employeurs. Mmh. Le simulateur, c'est un logiciel installé sur l'ordinateur, donc c'est X-Plane, et on a un manche avec une manette de gaz,